Bonjour à tous, nous sommes le 18 mai. Pour commencer en anglais, on va revoir quelques mots autour du repas. Aujourd'hui, nous sommes au Mont Saint-Michel. Regardez les températures mini et maximum. Alors en anglais, how is the weather today? Le mont Saint-Michel est accessible aussi bien à marée basse qu'à marée haute par une passerelle, une sorte de pont. À marée haute, le mont Saint-Michel se retrouve comme une île, il est entouré d'eau. Le mont Saint-Michel à marée basse. Une vue depuis le sommet du mont Saint-Michel sur la baie qui entoure le mont Saint-Michel, une baie qui porte son nom, la baie du mont Saint-Michel. Quand on regarde une carte, le haut, c'est toujours le nord. À droite, c'est l'est, à gauche, c'est l'ouest, et en bas, c'est le sud. Ce sont les quatre points cardinaux. Un chasseur sachant chasser. Épisode 31. Chers Padawan, chers amis, à nous le trésor! Nous l'avons bien trouvé dans le tronc de l'arbre creux. C'était une boîte en fer toute rouillée. Je l'ai posée par terre entre Rafara et moi et, juste à ce moment-là, Tata Sarah est arrivée tout essoufflée. Je l'ai accueillie avec un grand sourire. Désolé, on a gagné! Mais mon sourire a disparu quand Rafara a soulevé le couvercle. Zut alors, il vaut zéro ce trésor. C'était des pièces en chocolat. Super, a dit ma tante. Combien y a-t-il d'écus? 10, 11, 12? J'ai crié. Mais tata, ce n'est pas de l'or. Jojo ne voudra pas nous vendre son grimoire contre du chocolat. Mais si, il adore le chocolat. Et puis, on lui racontera que c'est du chocolat magique. Rafara s'est mise à rire. Il est zinzin, ce Jojo? Non, a répondu Tata. Mais il est un peu zozo. Alors, tout le long du chemin, en revenant vers la plage, on a parlé des zinzinzozo, des jojo qui zozotent et des josettes qui zézeillent. Puis, Tata Sarah nous a fait répéter à toute vitesse. Le coussin du cousin est dans la cuisine de la cousine. Au bout de trois fois, ma langue s'est emmêlée et la phrase est devenue toute bizarre. On en a oublié notre faux trésor en chocolat. Le plus important, c'est qu'on s'est bien amusé. Gros hibou, gros bisou de Milo.